Constance de Salme, les cinq actes de la vie. Le drame de la vie, hélas, est peu de chose. Au drame de la scène, on peut le comparer. Jusqu'au dénouement, jamais on n'y repose. Bien ou mal, pauvre ou riche, on doit y figurer. Au premier acte, on est. Avec peine, on s'avance à travers mille écueils vers un but ignoré. Au second, on s'éclaire, on pressent l'existence. À de vagues désirs, on est déjà livré. Au troisième, emporté par une aveugle ivresse, par le monde, l'amour, les renaissants plaisirs, on ose, on brave tout. On s'égare sans cesse, on s'apprête souvent d'éternel repentir. Au quatrième, là de vaines jouissances, le cœur d'autres besoins, d'autres feux se remplit. L'orgueil, l'ambition, leur transport, leur souffrance viennent tout remplacer. Cependant, on vieillit. Au cinquième arrivé, le corps, l'esprit s'affaisse. Chaque jour, chaque instant, on voit briser un lien. On pense, on parle encore, mais la toile se baisse. Le spectacle finit, et l'homme n'est plus rien.